DJI Action 3, DJI Action 4, esthétiquement, elles sont vraiment très proches, on pourrait même les confondre, mais ça c'est juste en apparence, parce qu'à l'intérieur, il y a pas mal de changements. et des dimensions on est pareil. on a bien sûr toujours les deux écrans tactiles derrière et en façade donc ça c'est quand même très pratique sur le dessus on aura une petite différence esthétique au niveau du micro on a une couleur un peu plus sombre au niveau donc des coloris de l'action 4 sur le déclencheur ou sur le sigle à l'avant sur le côté le bouton d'alimentation est beaucoup plus doux beaucoup plus souple sur l'action 4 c'était un des défauts sur l'action 3 il était très dur pour la mise en route donc là ils ont corrigé ce problème sur le bouton d'alimentation en dessous, on a toujours la trappe pour charger la caméra ou pour l'alimenter en continu lors d'une prise de vue qui pourrait durer longtemps, par exemple. Sur le côté droit, on a la trappe qui permet de venir glisser la batterie ou la carte SD. Là aussi, ça a évolué un petit peu puisqu'elle est plus difficile à ouvrir que ce n'était le cas donc sur l'Action 3. Sur l'Action 3, on pouvait l'ouvrir très facilement et donc au niveau de l'étanchéité, ce n'était pas forcément top. Donc là encore, sur l'Action 4, ça a évolué de manière favorable. Et sur le dessous, on a toujours les deux accroches pour le système de fixation DJI. C'est un peu plus lisse sur l'Action 4 que ce n'était sur l'Action 3. En revanche, au niveau du capteur, au niveau de la caméra, on a un objectif plus grand sur l'Action 4, puisque sur l'Action 3, on avait un capteur de 1 sur 1,7 pouces, alors que sur la 4, on a 1 sur 1,3 pouces. C'est la même taille qu'un capteur d'un Mini 3, par exemple, d'un nouveau DJI R3, ou même d'un capteur d'un 70 mm qu'on peut trouver sur un MIG 3 Pro. Ce capteur sur l'Action 4, il a une ouverture de 2,8 et un champ de vision de 155 degrés. Ça permet de capturer une plage très large au niveau donc, de la captation. Et on peut également incliner la caméra en mode vertical pour faire des prises de vue pour les réseaux sociaux par exemple au format 9/16. Cet objectif il est protégé par une lentille de protection qu'on peut dévisser, que j'ai déjà abîmée, hein, donc on le verra sur la partie robustesse de la caméra, mais ça permet de protéger justement l'objectif principal d'éviter de le rayer puisque ça, ça peut se changer. Et d'ailleurs je vais le changer, je vais en commander un nouveau parce qu'il est déjà rayé. Mais on peut très bien s'affranchir de cette lentille de protection avec un cache plastique qui est plus adapté pour éviter d'avoir des flares, d'avoir des rayons lumineux que pourrait provoquer donc cette lentille de protection éventuellement. Sur ce cache plastique, on peut y fixer des filtres ND comme sur la lentille de protection puisque les filtres DJI viennent juste s'emboîter sur cette partie circulaire. Sur l'Action 4, on a également un capteur au niveau de la température de l'image qui est dissimulé donc sur le haut de Action. Ça permet d'avoir un ajustement au niveau de la balance des blancs la plus fidèle possible et la plus réactive possible. Et c'est vrai qu'avec l'Action 4, on a des couleurs qui, je trouve, sont un petit peu plus naturelles qu'on pouvait avoir sur les modèles précédents ou même sur une GoPro. Au niveau de la batterie, là encore, on garde les bonnes choses, hein, puisque sur l'Action 3, on avait déjà une très bonne autonomie. Sur l'Action 4, DJI annonce 160 minutes d'autonomie maximum. Ça va dépendre, bien sûr, du mode de prise de vue dans lequel vous êtes. Il y a des modes qui vont consommer beaucoup plus, surtout si vous avez l'écran, si vous avez euh, voilà, des fréquences d'image élevées. Mais en moyenne, j'ai fait plusieurs time -lapse. On peut rester deux heures et demie de caméra allumée sur une prise de vue, et c'est vrai que c'est quand même appréciable. C'est plus que ma GoPro Mini par exemple, et c'est aussi plus d'autonomie qu'il y avait sur ma GoPro 10. Si vous optez pour le pack Aventure Combo, ça vous fera trois batteries au total avec le hub de chargement. Ça permet donc de recharger les batteries. En charge rapide avec un chargeur 30 watts et de bénéficier de deux batteries supplémentaires qui augmentent considérablement l'usage. Et sur une journée complète, franchement, c'est très confortable. Dans le pack combo, on aura également une perche, une perche à selfie, qui est très pratique parce qu'elle est un petit peu plus longue que la moyenne des perches que j'utilise jusqu'à maintenant. Cette perche à bout de bras, on a toujours un petit peu effet fish eye au niveau de la main, mais on peut supprimer le, le stick. Donc cette perche-là, on peut la gommer sur l'application DJI Mimo. Alors, c'est un traitement sur le serveur de DJI. C'est un peu compliqué au niveau de la mise en place puisqu'il faut donc, transférer les rushs de la caméra sur l'application DJI Mimo, donc sur le smartphone. Ensuite, vous allez dans l'application de traitement. Là, il va falloir uploader donc, la vidéo sur le serveur de DJI qui vont eux la traiter. Et ensuite, vous allez pouvoir exploiter cette vidéo. Malheureusement, on est en définition 1920 par 1080, donc on perd la prise de vue 4K originale, mais ça permet de gommer donc, la perche. On peut éventuellement le faire en direct sur l'application Mimo, mais là on aura une résolution encore inférieure à la Full HD. Et malheureusement, on n'est pas sur un traitement en direct comme on pourrait l'avoir sur une caméra à 360 ⁇ de Insta 360. Mais bon, pour le ski ou si vous marchez de manière assez régulière, si ça ne bouge pas trop, c'est quand même assez efficace par l'application DJI Mimo et le traitement sur les serveurs de DJI. La caméra est vendue avec ses supports dédiés qui viennent se clipser sous la caméra. C'est à la fois aimanté et il y a deux ergots de chaque côté qui viennent donc verrouiller la fixation. Alors c'est bien, mais c'est vrai que je disais dans mon essai de l'action 3, si on vient ouvrir un seul des ergots, eh bien la caméra ne tient plus très bien. Donc sur un choc, ça peut éventuellement sauter. Bon, il faudra y aller très très fort et vraiment pas de chance pour que ça appuie à cet endroit-là. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose qui est solidaire de la caméra, c'est quelque chose qu'on vient rajouter. Et une fois qu'on a disposé donc cette fixation sur la caméra, on peut venir la positionner sur n'importe quel support type GoPro pour pouvoir l'orienter. L'inconvénient c'est que ça peut faire potentiellement deux points de faiblesse euh, éventuels, plus que si c'était par exemple une accroche GoPro qui est euh, solidaire de la caméra. Et d'ailleurs j'ai fait deux essais en SPV et j'ai tout le temps des petites vibrations. Je pense que ça vient de mes supports, puisque euh, j'ai essayé sur deux drones différents. Avec euh, une GoPro, je n'ai pas de souci à ce niveau-là. L'avantage, c'est que c'est très pratique parce qu'on peut venir enlever la caméra, la mettre sur un autre support qu'on aurait fixé sur un casque par exemple, et donc ça se fait très rapidement. Et on a également la cage de protection qui est livrée avec la caméra, qui permet donc d'insérer la caméra et de la protéger encore plus. Et surtout, ça permet également d'avoir ici un point de fixation pour venir la fixer en mode vertical. Donc on peut la basculer aussi bien donc du mode vertical au mode horizontal. Ça permet donc de varier les prises de vue. Mais là encore, il faudra bien faire attention à ce que la caméra soit bien fixée et que les deux ergots soient bien clipsés pour éviter de perdre la caméra en route. Alors, l'inconvénient de cette configuration, c'est que la cage de protection plus le clip de fixation plus le support caméra, ça commence à faire du poids et notamment sur un drone FPV, eh bien, ça fait quand même très lourd. Donc, c'est pour ça que mes tests, je les ai fait en drone FPV avec la caméra sans la cage de protection. Et euh, bon, j'ai fait assez attention, mais on le verra un petit peu plus tard, la caméra a quand même pris quelques crashs et elle est toujours vivante. Une fois sous un 4x4, elle a pris une branche, ça a fait sauter le support et la caméra était indemne et elle a dû tomber au moins deux fois en vélo en VTT, donc une fois assez brutalement, sur une forte compression, la caméra a touché le pneu arrière, ça a cassé le support, la caméra a volé et elle est tombée sur des cailloux. Donc j'ai la lentille de protection qui était abîmée, mais heureusement ça se change et donc l'objectif principal est intact. Une ou deux petites rayures sur le châssis de la caméra. Mais globalement, on a continué de filmer juste après et la caméra est intacte. Donc, au niveau résistance-robustesse, pour moi, c'est validé à 100%. Au niveau de l'usage, on peut utiliser cette caméra de moins 20 jusqu'à 45 degrés. Et c'est vrai que là encore, j'avais fait un test dans mon freezer avec l'action 3. Avec cette action 4, on garde les mêmes avantages. En autonomie en basse température qu'on avait déjà donc sur l'action 3. En revanche, question température et question chauffe, là j'ai pas noté de différence puisque en 4K 60 images par seconde, au bout de 12 minutes, même un petit peu moins, la caméra s'est éteinte pour cause de surchauffe. Donc c'est toujours un problème avec les caméras d'action lorsqu'elles sont en position statique avec des fréquences d'image élevées, elles ont tendance à chauffer et à donc s'arrêter prématurément. Pour moi, une caméra d'action c'est fait pour être en extérieur et donc un peu ventilé, enfin au moins aéré en mouvement. Maintenant, c'est sûr que si vous achetez cette caméra pour faire du slow motion en statique, ce n'est pas forcément la caméra idéale parce qu'elle va chauffer bien sûr comme d'autres caméras d'action. Sur le côté, on a le bouton d'alimentation donc pour allumer la caméra, mais on peut également déclencher directement la prise de vue en appuyant donc, sur le bouton du haut. Donc ça, ça se paramètre dans le menu principal. Cette caméra, elle est étanche sans caisson jusqu'à une profondeur de 18 mètres, alors que sur une GoPro, c'est 10 mètres. On a également l'avantage d'avoir une balance des blancs qui est optimisée, notamment sous l'eau. DJI a travaillé là-dessus sur donc, ce capteur en façade qui permet de justement détecter si on est sous l'eau et d'adapter la balance des blancs pour une couleur plus réaliste. Sous l'eau, c'est vrai que ça fait un rendu assez naturel. En revanche, attention avec les écrans tactiles, donc là il y en a deux. Et hein, eh bien il va falloir verrouiller l'écran si vous allez sous l'eau avec cette caméra parce que lorsqu'on est proche de la surface, ça a tendance à faire comme si on avait donc le doigt et si on naviguait sur les menus et parfois les paramètres peuvent changer donc sous l'eau attention à bien penser à verrouiller les deux écrans tactiles. c'est aussi un avantage de cette caméra c'est que les menus c'est très ergonomique c'est bien pensé donc notamment sur ces deux écrans on peut choisir donc que ce soit la résolution le mode de prise de vue on peut également le faire en façade ça c'est quand même très pratique lorsque la caméra est sur un point fixe et qu'on ne peut pas accéder par derrière de pouvoir naviguer en façade dans les menus, choisir sa fréquence d'image, sa définition. Ce n'est pas indispensable, mais quand on commence à l'utiliser et quand on l'a plus, si on passe sur une autre caméra qui n'a pas cette fonctionnalité, c'est vrai qu'on se sent un petit peu perdu. Donc, moi, je trouve ça très pratique. Mais lorsqu'on est sous l'eau ou en pleine action, on peut aussi switcher avec le bouton latéral sur les modes de prise de vue. Donc, soit les modes de prise de vue par défaut, donc vidéo, photo, il suffira d'appuyer une fois ou deux pour passer sur les modes suivants. Mais on peut aussi paramétrer des modes personnalisés, par exemple un mode en 4K à 30 images par seconde, un autre en 4K à 120 images par seconde, pour basculer d'un mode normal à un mode ralenti par exemple, avec ce bouton donc quick shift qui vous permet de basculer de l'un à l'autre assez rapidement. Et ça c'est une nouveauté avec l'action 4, c'est qu'on peut utiliser une télécommande à distance qui est reliée en bluetooth donc à la caméra, on va pouvoir lancer l'enregistrement, arrêter la caméra mais on va pouvoir également donc basculer sur les différents modes vidéo, photo ou des modes préenregistrés qu'on aura donc paramétrés dans le menu Quick Shift ou menu personnalisé. Sur le petit écran, on aura la durée d'enregistrement, donc on verra si l'enregistrement est bien lancé, on verra dans quel mode on est. Et surtout, on aura les données GPS, puisque ça, c'est aussi un capteur GPS qui permet d'enregistrer la position, la vitesse, pas mal d'informations de télémétrie qu'on pourra retrouver sur l'application DJI Mimo. Lorsqu'on téléchargera donc, le rush de la caméra sur l'application, on pourra aller dans l'outil d'édition et ajouter les différents paramètres souhaités. Donc pour ceux qui souhaiteraient avoir ces informations, c'est très utile. Donc cette télécommande qui fait à la fois donc, télécommande de caméra, mais également qui enregistre donc la position, les données GPS et les données seront celles prises donc, à l'endroit où se situe cette télécommande. Donc attention, si vous mettez la caméra sur un véhicule et que vous n'êtes pas dans le véhicule, vous n'aurez pas les vitesses de déplacement, puisque encore une fois, c'est pris au niveau donc, du bracelet. L'inconvénient c'est que pour avoir ces données d'afficher sur votre plan, il faudra passer donc, par l'application DJI MIMO, par l'outil d'édition. Vous allez pouvoir ajouter, donc télécharger votre rush sur votre téléphone, ajouter les informations de télémétrie. Et ensuite, exporter le rush final avec les incrustations. Mais par exemple, si vous filmez en VTT avec la caméra inversée pour avoir un meilleur angle, eh bien, vous ne pouvez pas sur l'application, en tout cas, je n'ai pas trouvé actuellement le moyen de retourner l'image avant d'incruster euh, les données de télémétrie. Mais j'ai demandé à un ami qui fait un logiciel donc, de télémétrie que je vous avais déjà présenté pour les drones. Ça permet d'incruster les données GPS et donc tout ce qui est vitesse, altitude, déplacement, carte, etc. Et donc, il a intégré ces données-là, et on peut utiliser donc, les données du GPS de l'Action 4 sur une application euh, qui s'appelle Télémétrie Overlay. Mais je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans ma vidéo dédiée sur cette télécommande GPS. Donc, c'est une option hein, qu'on peut venir associer à l'Action 4. Cette euh, télécommande GPS, elle coûte 79 euros. D'ailleurs, avec cette caméra, on a d'autres accessoires disponibles en option. DJI propose un set d'accessoires dédié au vélo. On a celui-ci qui permet de venir se fixer donc sur un tube, que ce soit le guidon ou la selle. On a un adaptateur qui va venir s'adapter en fonction du diamètre et la grosseur du tube. Ensuite, on peut régler la caméra dans tous les sens. Donc ça, c'est vraiment très bien. Cette rotule-là, on peut vraiment la bouger dans tous les sens. Je dirais que c'est bien pour du vélo un peu tranquille ou sur route. Mais si on fait du VTT, de la descente un peu engagée, sur des fortes compressions, ça a tendance à vibrer. Et parfois, d'ailleurs, la caméra a tendance à... S'affaisser un petit peu, donc je dirais que c'est bien, mais il faut y aller quand même tranquille. Ensuite, on a le harnais qui épouse très bien le haut du buste, beaucoup plus que mes harnais GoPro que j'utilisais jusqu'à maintenant. On peut aussi enlever la caméra rapidement grâce à ce système de quart de tour. Donc, si on a une fixation sur le casque, on peut basculer de l'un à l'autre rapidement sans avoir à dévisser complètement la vis. Donc, c'est vrai que ça, c'est très pratique. Sur des descentes un petit peu engagées, on percevra quand même quelques petites vibrations malgré le bon maintien. L'avantage, c'est qu'on a une position donc à l'avant, mais on peut également fixer la caméra à l'arrière puisqu'on a le même support, et donc ça permet de basculer de l'un à l'autre et de varier les plans. Alors maintenant, on va bien sûr parler du capteur et de la qualité d'image. Donc, on a un capteur plus grand que ce qui se faisait précédemment, un petit peu plus grand également qu'une GoPro. L'algorithme lié à cet objectif, à ce capteur, on le connaît, on l'a déjà vu dans ma vidéo donc sur le DJI R3 notamment. Donc c'est un algorithme qui permet effectivement d'avoir une plage dynamique assez élevée. Donc on a des contrastes en basse lumière lorsqu'on est sous les bois qui sont effectivement beaucoup plus performants je trouve que l'action 3. Donc on a une bonne dynamique au niveau de la plage de luminosité, hein, surtout lorsqu'on est dans des situations un petit peu complexes pour une caméra d'action. C'est vrai que c'est assez appréciable. Ensuite, on a un rendu au niveau de la netteté. Si on la compare à l'Action 3 ou à une GoPro 11 mini, eh bien, je trouve que là, on est enfin à la hauteur d'une GoPro. On a suffisamment de netteté à l'image pour voir tous les détails. On a une plage dynamique donc, qui nous permet de voir les zones un petit peu plus sombres, d'avoir plus de détails et de contrastes dans les ciels. Donc globalement, j'étais assez euh, bluffé par la qualité d'image de cette Action 4. Autant l'Action 3, franchement, je ne la recommandais pas spécialement. Je vous avais dit dans mon essai que personnellement, je préférais garder ma GoPro Mini, utiliser ma GoPro 11 Mini, parce que la qualité d'image me convenait mieux pour mon usage en tout cas. Alors que là, avec cette Action 4, personnellement, je trouve que, ça y est, DJI est enfin à la hauteur en termes de qualité d'image que GoPro. Maintenant, attention, parce qu'on est en août 2023 au moment où l'Action 4 sort, et dans quelques mois, dans un mois ou deux, on va voir la nouvelle GoPro 12, certainement. Il y aura certainement encore quelque chose de mieux que la 11. Mais disons que, ça y est, DJI a enfin une qualité d'image, je trouve, vraiment acceptable et exploitable pour une caméra d'action. Alors c'est valable en vidéo, mais également en photo. Où on a une très bonne qualité d'image. En vidéo, on peut filmer en 4K de 24 jusqu'à 120 images par seconde, donc dans le mode ralenti. On peut également filmer jusqu'à 240 images par seconde en 1080p. En 4K et en 2,7K, on pourra filmer au format 16e ou au format 4 tiers. Donc le format 4 tiers, ça permet d'avoir plus de matière verticalement. Et dans ces différentes définitions d'image, on aura aussi la stabilisation. Alors, on a plusieurs niveaux de stabilisation. Stabilisation rock steady. Donc euh, normal, on va dire stabilisation de base. Je suis en train de marcher. Et là, je suis en Rocksteady Plus, donc normalement ça doit bouger un petit peu moins. Ça crop plus, donc on a un champ de vision un peu moins large. Mais en principe, la vidéo doit être très stable, ça ne doit pas bouger, alors que je suis en train de marcher dans le sentier. Et là, je suis en stabilisation complètement désactivée, aucune stabilisation sur le même type de parcours, donc je marche sans stabilisation. Alors horizon de balancing, ça va stabiliser l'horizon jusqu'à un angle de 45 degrés à peu près. Si on dépasse hop, je passe en mode vertical. Ensuite, on a horizon balancing plus. Donc ça c'est disponible en 2,7K en 16 9 Donc là, normalement, on a la stabilisation de l'horizon accentué par rapport au mode balancing standard j'imagine si je fais un tour complet mais globalement au niveau des différents niveaux de stabilisation que vous allez choisir franchement moi j'ai été vraiment impressionné euh, on peut courir avec la caméra et ça se voit à peine là où ça peut pêcher un petit peu c'est sur une grosse descente en vélo il y a certaines vibrations qui sont dus, alors peut-être à la caméra, peut-être au niveau du support, parce que j'ai eu les mêmes vibrations en drone FPV, mais là c'est vraiment quand même de la descente extrême, euh, mais globalement au niveau de la stabilisation, pour moi c'est vraiment digne d'une caméra d'action, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc là je marche, histoire de voir un petit peu les différentes luminosités, la stabilisation, le son également, ça me permet de parler également en marchant, et on va voir donc en contre-jour. L'avantage de l'action 4 c'est bien sûr quand même son écran en façade. Du coup je vois le soleil qui est au-dessus de moi, alors qu'avec la GoPro 11 mini, bien sûr je ne vois rien. Donc ça me permet de bien cadrer, ça permet également de se rendre compte un petit peu au niveau du son. Et j'ai également donc, la stabilisation en standard sur les deux caméras. Je suis en hyper smooth sur la GoPro 11 et en Rocksteady sur l'action 4 et je marche. Donc on voit qu'il y a quand même quelques petits rebonds. Enfin, en tout cas, moi je les sens quand je marche. Je ne sais pas si ça va se voir à l'image. Et là, je vais m'approcher d'une zone un petit peu plus sombre. On va voir comment les deux caméras gèrent ça. Donc là, je suis en mode automatique 4K, 30 images par seconde, profil couleur standard. Et donc, on va voir ce que ça donne avec les variations de lumière et si la plage dynamique de l'Action 4 fait mieux que la GoPro 11. Sur la caméra, on va pouvoir choisir en mode complètement automatique ou alors en mode pro, où là on aura des options supplémentaires au niveau de la prise de vue. On pourra filmer en mode manuel pour gérer l'exposition, la plage des ISO, la vitesse d'obturateur. On pourra également choisir le profil couleur, puisqu'on a un profil normal, mais on a également un profil D-log en 10 bits qui permet d'avoir plus de latitude au niveau de la retouche, au niveau de la colorimétrie en post-production. Et on a également des options pour régler un petit peu le seuil de netteté ou le seuil de, du bruit numérique. Donc ça en fait une caméra très polyvalente pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin dans les réglages manuels. Sur l'action 4, on a une fonction pour améliorer le rendu pour les prises de vue de nuit ou en faible luminosité. Le capteur pour la balance des blancs en façade aide également à réduire le flickering. C'est le clignotement d'image qu'on peut percevoir sur un éclairage secteur. Et ça fonctionne plutôt bien. Mais on reste quand même sur une caméra d'action. Ce n'est pas non plus dédié à la prise de vue de nuit. Même si on peut noter quand même de belles améliorations de ce côté-là. On n'a pas de fonction light painting ou équivalent qu'on peut trouver sur une GoPro. On a un débit maximum en vidéo jusqu'à 130 Mbps, mais c'est vrai que lorsque j'ai uploadé ma vidéo de descente VTT, mon petit clip vidéo, eh je n'ai pas été déçu au niveau de la qualité d'image, puisqu'on avait quand même la compression au niveau donc du montage, la compression YouTube. Eh bien, je trouve que le rendu est plutôt euh, appréciable par rapport à la qualité d'image initiale. Donc, que ce soit pour du YouTube, des réseaux sociaux ou même plus, eh bien, je trouve qu'au euh, niveau de la qualité d'image, on est vraiment très bien. D'ailleurs, avec ce nouveau capteur, on a une taille de pixel qui est plus importante qu'un capteur d'une GoPro ou d'une Action 3 par exemple. Au niveau du champ de vision, on a trois choix possibles soit mode standard, soit large ou soit ultra large. Donc, ça permet de varier les angles. En fonction de l'angle que vous allez choisir, vous allez pouvoir avoir différentes options au niveau de la stabilisation. L'avantage également de cette caméra, c'est qu'on peut faire la stabilisation en post-production. On n'est pas forcé d'utiliser la stabilisation interne. Donc, qui est Rocksteady. Donc on peut désactiver la stabilisation et ensuite stabiliser en post-production sur un logiciel gratuit type Giroflow. Donc pour le FPV c'est plutôt pas mal. En revanche il va falloir faire attention aux différentes définitions puisque euh, les données gyroscopiques ne sont pas disponibles avec toutes les définitions d'image possibles. Mais globalement si vous souhaitez utiliser cette caméra en FPV vous allez pouvoir l'utiliser sans stabilisation interne pour pouvoir ensuite la passer dans le logiciel Giroflow par exemple. Au niveau de l'ergonomie, de la fluidité des menus, c'est vraiment très appréciable. Je trouve que c'est assez intuitif, c'est assez réactif au niveau de l'écran tactile. On a accès à pas mal d'informations, on a pas mal de paramétrages et de possibilités de customisation pour justement donc ces modes de quick shift. On a accès aux différentes prises de vue, que ce soit photo, vidéo, slow motion, hyperlapse, timelapse. On a pas mal de paramètres possibles. On a également la commande vocale malheureusement qui est disponible que en anglais ou en chinois mais on n'a pas le français c'est un peu moins réactif que je pourrais le faire avec ma GoPro 11 par exemple et la GoPro 11 on a le français qui est pris en charge. Là chez DJI que ce soit sur l'action 3 ou sur l'action 4 on n'a que de l'anglais et il faut parler quand même de manière assez claire pour que la caméra soit assez réactive par rapport aux instructions. Stop recording Start recording. Mais là où DJI se rattrape, c'est sur l'application DJI Mimo, qui est très pratique. Ça permet donc de connecter en Bluetooth le, la caméra à votre smartphone, d'avoir le retour vidéo, de gérer tous les paramètres, de déclencher la prise de vue, d'avoir des éléments comme un histogramme et pas mal d'informations au niveau donc du cadrage ou de vos réglages. Mais on peut également aussi voir le flux lorsqu'on enregistre. Contrairement par exemple à une GoPro ou lorsqu'on lance l'application Quick. Déjà, au niveau de la stabilité de l'application, la connexion se fait quand même plus facilement entre l'Action 4 et euh, DJI Mimo comparé à une GoPro et Quick où euh, une fois sur deux ça ne marche pas. Là, j'avoue que c'est donc au niveau de l'ergonomie et de la fiabilité au niveau de la transmission. On va dire que c'est relativement fiable, mais surtout lorsqu'on enregistre, lorsqu'on déclenche donc, la caméra à distance, on peut suivre le retour vidéo en direct et voir ce que la caméra filme. Ça, ce n'est pas disponible sur GoPro et ça fait une petite différence si vous souhaitez lancer un enregistrement et le suivre sur votre smartphone, eh bien ça permet donc de bien vérifier votre cadrage, pouvoir déclencher et arrêter l'enregistrement. On a en plus donc des outils de montage dans l'application MIMO. On peut également incruster les données de télémétrie. Ici, on a la télécommande GPS en option et on peut aussi gommer la perche via la fonction dédiée. On a la possibilité de brancher un micro externe via le port USB-C, donc notamment le micro DJI. Donc ça permet d'avoir un micro déporté qui est compatible donc directement en usb-c avec cette caméra. Alors maintenant, est-ce que je recommande cette caméra Quels sont ses avantages Quels sont ses inconvénients Les avantages, c'est l'ergonomie, l'application MIMO, l'usage, c'est très pratique, c'est fluide, c'est fiable. Euh, je n'ai pas eu de bug, de freeze comme je pourrais l'avoir par exemple sur une GoPro. Que ce soit ma 10 ou ma 11 mini, j'ai souvent des petits bugs. Là, c'est vrai que c'est quand même relativement fiable et ergonomique. On a les deux écrans tactiles. Ça aussi, c'est un plus, c'est du confort à l'usage. Avec une batterie, on a une très bonne autonomie. Alors si en plus vous avez le pack combo, bah, avec trois batteries, franchement, il y a de quoi faire. On peut également la brancher en direct, lancer l'enregistrement en direct avec un power bank. C'est une caméra robuste qui a une très bonne qualité d'image, avec des couleurs naturelles et des options de prise de vue qui permettent de satisfaire que ce soit celui qui veut filmer en toute automatique ou alors celui qui veut filmer avec des réglages un petit peu plus poussés en mode manuel pour euh, traitement en post-production. Donc c'est relativement polyvalent pour une caméra d'action. Elle est vendue 429 euros en version de base, c'est un petit peu moins cher qu'une GoPro. En pack Adventure Combo, c'est 529 euros. Et la télécommande supplémentaire, GPS, c'est 79 euros. Les inconvénients, c'est son poids et son encombrement, surtout lorsqu'on a la cache de protection et la fixation dédiée, aimantée. Je trouve que ça fait un peu lourd pour une caméra d'action. On a une définition maximale en 4K seulement, alors que sur une GoPro on est un petit peu plus de 5K avec le format 8 7 qui permet de faire une prise de vue de pour l'exploiter en mode horizontal ou vertical après. Alors que là donc ce sera uniquement en 4K en 16/9e ou au format 4 tiers. La caméra en position statique avec des fréquences d'image élevées va avoir tendance à chauffer assez rapidement. Et d'un point de vue physique, on a quand même deux trappes, une de chaque côté, plus l'objectif qu'il faudra bien visser pour assurer l'étanchéité. Donc potentiellement bien faire attention si vous l'utilisez en sport aquatique à ce que toutes les trappes soient bien fermées et qu'il n'y ait pas une faille à ce niveau-là. Alors au final, est-ce que cette caméra va remplacer ma GoPro Est-ce que je vais plus l'utiliser que l'Action 3 Je dirais que oui, parce qu'au niveau de la qualité d'image, je trouve que là, il y a encore un traitement, comme on l'a vu, donc sur les, ce type de capteur-là, que ce soit Mini 3 Pro, DJI R3. Je trouve qu'au niveau de la qualité d'image, ça y est, on arrive à des, des équivalences par rapport à toutes les caméras d'action. Il faut vraiment aller chercher les petits détails en zoomant pour euh, voir des petites différences. Mais au niveau de la plage dynamique, au niveau des contrastes, au niveau des ciels, j'ai pris beaucoup de plaisir à filmer donc euh, la descente en VTT. Mon petit clip vidéo que je vous remets encore une fois là-haut. Je trouve que c'est une qualité d'image franchement euh, appréciable pour une caméra d'action. L'avantage, c'est qu'on peut cadrer avec les deux écrans. J'ai ma GoPro 11 Mini que je vais garder quand même pour une utilisation FPV parce qu'elle a l'avantage du poids, de l'encombrement. Mais c'est vrai qu'en termes d'ergonomie, l'application GoPro c'est une catastrophe hein, au niveau de la connexion avec la caméra. Donc tout ce qui est prise de vue FPV, je vais garder ma GoPro 11 mini, mais tout ce qui est prise de vue d'action, quand je la mets sur mon bus par exemple pour filmer mes mains sur la radio commande, ou alors lorsque je suis en vélo ou quand je veux quelque chose d'immersif, ce sera ma caméra d'action euh, privilégiée parce qu'au niveau de l'ergonomie et de la fiabilité, c'est une caméra sur laquelle je peux compter. Si vous avez des questions à son sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao